Je voudrais savoir comment on met des capotes. Oula, oula, toi tu vas directement dans Toi, le avec vif ta du voix, à mon sujet, avis, tu toi. les manges, les capotes. Tu les mets Ben pas ouais. sur ton sgeg, hein. Alors, Oh putain, il a tout oh, perdu. mon. Zizi Zizicopter, Zizicopter, pense au Zizicopter! Attends, je l'active. Oh, ça marche! Non, Momo! Momo! Momo, t'es pas mort! Momo, faut que je t'avoue quelque chose, Momo! T'as été toujours mon élève préféré, Momo! C'est toi que je préfère depuis tous les temps, Momo! T'as pas le droit de me faire ça, Momo! C'est moi, Monsieur Picaou, là! Je suis venu te libérer, là, j'ai. Momo, bordel, le docteur, j'ai. Faut pas que le docteur me voit, là, je me suis. Ouais, Momo! Vas-y, Momo, réveille-toi, bordel! Tu veux que je tape sur toi, Momo, pour réveiller? Dis-moi, Momo, est-ce que tu veux le shit, Momo? Oh, bordel, Momo! Allez, Momo, fais des efforts! Wesh, Momo, c'est C'est quoi moi, cette lumière? Elle c'est me fait monsieur! mal au crâne, wesh. Oh, et Oh, ma tu veux que je tête. casse la lumière, Momo? C'est moi, Momo, c'est monsieur Picao, je suis venu chercher toi! Monsieur Picaou. Bordel, Momo! Monsieur Picaou, Oh, Momo, c'est moi! Ouais, il arrive un problème à toi, là, qu'est-ce que. Momo, c'est moi, tu rappelles de moi? T'as tapé la tête là, Momo! Momo! C'est moi! Regarde-moi, Momo, regarde! Regarde mon visage, Momo! Allez, debout, Momo! Je suis où, Monsieur Ouais, Momo! Picaou, wesh? C'est quoi Oh cet putain, endroit? Momo, regarde, t'as vu! Moi, c'est Monsieur. l'hôpital, Momo, j'ai goûté tes morts là, Momo! Bordel! T'as eu un accident, mon petit Momo, là! Ils sont venus te chercher avec l'ambulance! J'ai mis des jours, j'étais cherché partout dans l'école. Tes camarades m'ont dit Oh, je t'étais me à sens l'hôpital, ils pas voulaient bien, pas croire. monsieur. Oh. Oh là, Ils m'ont Momo, pas viens. donné un petit peu de médicaments, ils se pensent quoi là? Et Oh non, c'est. Momo, je crois que t'as eu un coup à la tête. Et il est où Momo, le. tu te rappelles des copains, l'école, tout ça. Bah ouais, je me Quand même, Momo, souviens du assure-moi. bal, monsieur. Et on était Comment au ça, le bal. bal, Momo? Bah ouais, on était au bal, monsieur. Et j'étais Mais avec Momo, Jade là en on est. plus. Mais non, Momo, mais là maintenant on est en camping, on a fait une nouvelle. Mais Momo, il y a une nouvelle. On a fini l'année là, Momo. Tes papas et ta maman, ils m'ont Mais envoyé de à toi, quoi t'es vous me plus. parlez, C'est les monsieur? vacances. Mon Dieu, Momo. Moi, je me Qu'est-ce qui s'est souviens passé que là, du Momo? bal, monsieur. Je me souviens, j'étais avec Jade et vous m'avez renvoyé quand vous avez dit que j'allais redoubler. Ouais, non, Momo, tu te rappelles pas des nouveaux copains, tout ça là? Le copain fou là, comme Satan, les copines, tout ça là, tu te rappelles plus tout ça ou quoi? Momo, t'es tombé sur la tête! Momo, Non. rappelle-toi, bordel! Qu'est-ce que vous me racontez, monsieur? Rappelle-toi, Momo! Je comprends pas trop de quoi vous me parlez là en fait. Momo, tu m'inquiètes, mais vas-y, faut que je te libère d'ici là, c'est en train de Bah te faire moi du mal ça, là! c'est ma tête ça, monsieur. C'est Ah ma. ouais, regarde ta tête, comment elle est toute cassée là, Momo, là, ils ont Oh tapé fort ta là tête, hein. là. Oh Mais mais. c'est pas moi qui ai Eh tapé, c'est mais. pour Il mieux, s'est hein. passé quoi à mes cheveux, wesh? Et mes cheveux? Ah, C'est quoi Momo, ça cette fait coupe? combien de temps t'es là? Mais tu Eh te rends pas compte ou mais il s'est quoi? passé quoi, monsieur, wesh? Qu'est-ce qui m'est arrivé, wesh? Monsieur! Mais Momo. Monsieur, Bon, dites-moi. allez, Momo, faut qu'on parte. Mais Monsieur, t'as j'ai je sais peur, pas, moi, monsieur. Momo, regarde. Je vais te dire tout ce que je sais, moi, Momo. Je me réveille au matin, je vois l'ambulance qui part, oui, je me dis qu'est-ce que c'est ce connerie, c'est ça honnête là, tu vois. Et après, la petite Lexi là m'a raconté, elle m'a dit, Momo, il est à l'hôpital, il a eu des problèmes dans la nuit, il est tombé, elle m'a dit, il est tombé, je dis comment ça, il est tombé. Je sais bien qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans, Momo, mais je sais pas qu'est-ce que vous avez trafiqué encore là, avec tes copains, la poule de carreau, tout ça là. Je sais même pas de quoi vous me parlez, monsieur. Oh, ma tête. Ah, oh, j'ai mal à la tête, monsieur. Oh. Momo, il faut que je te sorte d'ici là, je crois Et qu'ils sont en train de m'envoûter je crois là. que j'ai fumé un joint de shit en trop là. C'est mon cerveau, il a perdu le contrôle. Je me souviens de plus rien, monsieur. Momo, faut qu'on parte. Ils sont en train de m'envoûter là dans cet hôpital, je crois. Tu vas venir avec moi, Momo, je vais te ramener à l'école, moi. Bien. Allez, Momo, tiens-toi bien, mets-toi sur le brancard là. Oui. Oh, bordel de merde. Allez doucement, monsieur. Genre, ça me donne envie Ah, de vomir. d'accord.
Non, maman, vomis pas, non, c'est pas nous l'ambulance. Monsieur, on n'est pas à l'école ici, c'est un terrain de golf, ouais, je vous foutez de ma gueule ou quoi? C'est un parc aquatique le truc. Ben non, maman. Ah ouais, t'es connerie là, je vois tout à côté là. C'est la nouvelle école de l'été, oh. T'es pas bon et tout, vous voyez là. Ouais, oh, c'est stylé. T'as tapé ta tête ou quoi? Oh, allez, voilà. Bon là. Ah bah, c'est votre camarade Momo, les gens. Voilà, mes petits gars. Allez, Momo, viens, mon revenu. Petit Momo. On peut descendre, mon petit ouais, Momo. Il se prend pas tout, lui. Bon, doucement avec Momo, ouais. Les petits gars. Il est un petit peu fatigué. Oh, ouais. Ouais, maman. On est où amener Momo, les. Je crois que c'est pas vrai. Ouais. On est allé chercher le petit Momo tout seul. Moi, je l'ai amené de l'hôpital. Monsieur, c'est trop bien. Ils sont. Ouais. C'est qui lui ex? Ouais, il était coincé dans l'hôpital. Ouais. J'ai pas fait l'emmener parce que. Comment dire? J'avais l'impression qu'il m'a rebuté dans l'hôpital. Ouais, c'est les gars, ça va ou quoi? Par contre. Eh, les gars, écoutez mon petit gars. Oh, t'es plus étonisé, toi. Mes lunettes sont sales, je vois pas. Je vois rien, voyant certains, je vois pas. Ça fait plaisir. Écoutez, Momo, je l'ai récupéré à l'hôpital, il était dans un sale état. Et là, il semblerait qu'il se rappelle plus de tout, là. Il connaît même pas l'endroit, vous comprenez? Et quoi qu'on est encore au bal, là, de la dernière fois. Au bal de la fin d'année, là. Momo, il est bloqué là-dedans, là, au bal de la fin d'année. Dans sa tête, il se rappelle plus après, là. Il se rappelle de vous, il se rappelle des professeurs, mais il se rappelle pas des nouveaux de cette année, il se rappelle pas du camping ici. Il sait même pas qu'est-ce qu'on fait là. Souviens-toi, tu te souviens plus de rien. On est parti à l'aventure. Tiens, à ce qui paraît, les odeurs, tiens, les odeurs, ça fait revenir la mémoire sans mon doigt. Ça fait quoi avec ton doigt, putain? Ça te rappelle rien? Ah ouais, c'est quoi cette odeur? J'étais sérieux, vas-y, rentre. Ah, ça y est, tu te rappelles? T'as mis le doigt dans ton cul ou quoi, mon frère? C'est quoi cette odeur? Bah ben ouais. Vas-y, rentre chez toi. Espèce de salope. Ah, mais arrête, je me suis fait mal au bras, wesh. Ah ouais, ça y est, ouais. Sérieux? Ah ouais. La mémoire le revient, Momo, je vois ça. Oh, désolé, boutonneux, je t'aime bien, frère. Excuse-moi. Eh, mais je vais te faire retrouver la mémoire, moi, t'inquiète. Putain, maintenant j'ai la même coupe que poil de carotte. Regarde-moi cette coupe de fils de pute. Ah ouais, exagère pas. J'ai l'impression d'être. Ah, bravo. Exagère pas, moi ta coupe, c'est André une table, frère. Moi, il est pas de droite à ce point, tu vois. On dirait un croque-monsieur, toi, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, mais moi je peux pas. Arrête, les gars, arrêtez, c'est pas le moment, allez. Ah, vous clasher maintenant. Ouais. T'aimais bien Lexi, tu te souviens plus de Lexi? Non, c'est qui, wesh? Wesh, moi je me souviens de Jack. Il t'a mangé ton cabot. Wesh, qu'est-ce qu'il y a le pêcheur? Et c'est qui lui avec sa dégaine de pêcheur? Il veut quoi, lui? C'est Rasta, vas-y, vas-y, va pêcher des poissons dans la fontaine là-bas et parle avec moi après, wesh. Maman, pourquoi parler comme ça, poteau, tranquille, tu vois. Il s'appelle pas de toi, mon petit, il s'appelle que les jeunes de l'an dernier, c'est normal. Voilà, mon beau, c'est pour toi, ça. Ça va réveiller, toi. Je peux faire ça, entre nous, là. Ça m'a manqué, monsieur. J'espère que ça va te soigner, moi. Oh ouais, vas-y, monsieur, c'est merde. Eh, vous êtes le meilleur, monsieur. Wouah. Ah ouais. Wouah, ça faisait. Wouah, je suis déchiré, mon frère. Ça faisait trop longtemps, gros. Wouah. Ah, là, Momo, je te revois, là. Je te revois. Tu vas dans le coup, là, mais tu te fais pas au maquet, là. Je vais tout amener, là. Ouais, ici, où le coup. Allez, là-bas, regarde les balles. Allez, doucement, monsieur. Doucement. Wouah. Ouais, du coup. Voilà, la terre est basse, hein, faut pas aller trop vite. Hein. Ouais, si on te pose des questions, maman, tu dis c'est les cachets de l'hôpital. Hein. Ouais, y'a pas de soucis, je dis c'est monsieur Picao qui m'a donné une pipe en haut. Ok. Non, faut dire l'hôpital. Le pilulier de l'hôpital. Monsieur Picao, ok, d'accord. Non, maman, ouais, tu peux pas dire je rigole, monsieur, c'est bon. Il faudrait que j'aille chez le coiffeur, moi, ça va pas cette coupe de merde là, c'est quoi ça? Je déteste quand j'ai les cheveux comme ça. Ouais, je vois ça. Comme je te dis, on peut poser une tasse dessus, tu vois. Ouais, bah toi aussi, hein, on peut poser une assiette. Hein. Vas-y, parle pas avec moi. On est dans le même bateau, frère. Ouais, toi, tu viens d'où? T'es mexicain ou quoi? Ah, il est sous espagnol. Ah, d'accord. Tu manges les nachos? Ah oui, trop net, ouais, c'est bon. Ah, ça. Si. Momo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu parles espagnol? Aïe. Je peux te dire un truc?
Ouais, vas-y, vas-y. Ah, je pense. Ah, laisse tomber, tu me croiras pas, laisse tomber. Bah vas-y, dis, wesh, qu'est-ce qui t'arrive là? T'as tes règles ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, vas-y, tu veux me parler et après tu me dis tu veux plus me parler, vas-y, maintenant crache ton morceau. Bah, c'est que tu me croiras pas, et moi je vois que tout le monde te le cache et tout, je préfère un peu te le dire, donc dis-moi ce qui s'est passé là, parce que ça me casse les couilles là, il y a tout le monde, moi je me souviens de plus rien, tout le monde me cache des trucs, j'ai l'impression que ça commence à me casser les couilles, alors dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Tu veux vraiment savoir? Oui. La personne qui t'a fait ça sur le visage, c'est Lexi. Elle t'a frappé avec une machette. T'es sérieux là? Voilà pourquoi. Cette meuf, voilà pourquoi elle est comme ça avec toi. Ah ouais? Pourquoi elle te donne de l'attention comme ça? Mais Paul de Carotte, il a dit c'était ma meuf. Pourquoi elle ferait ça? À ton avis, réfléchis, Momo. La culpabilité peut-être. Sérieux là? Celle qui m'a. À ton avis? Celle qui m'a frappé et qui m'a fait ça, ce que j'ai sur le visage là. T'es en train de me dire. Exactement. Vas-y, ok. En tout cas, je te donnerai d'autres infos si tu veux, Momo. Tu peux venir me voir, je suis ton ami. Ok. Merci gros, en tout cas, à c'est tout cool. À l'heure. C'est cool. T'inquiète pas. Quand vous allez travailler pour un patron, des fois, faudrait les déplacer les voitures. On s'en bat les couilles. Donc, je vais vous apprendre. On s'en bat ta bouche, les couilles. Toi. Eh putain, mais retourne à l'hôpital là, tu me casses déjà la tête. Là. Bon, nous on veut la faire conduire. Place, c'est bon, il y a un problème, il a des problèmes psychologiques, il voulait l'insulter. Bah oui, il est mais t'es qui t'es sa mère toi? T'es sa mère? Non, alors ferme et ta toi, bouche là, écoute mon cours là. Ferme ta bouche, t'es dit. Ferme ta bouche là. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Eh, on va se couper, on est plus que vous. On va se détendre, wesh. Arrêtez. Alors, je vous explique, normalement, ce que je voulais c'était vous apprendre. Je voulais vous apprendre à déplacer un véhicule, les gars. D'accord. Et Justine, là, il a cassé d'accord le véhicule, là, mais c'est pas grave. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts par un pare-choc, là. D'accord. Mais ferme ta bouche, là. T'es oui. Obligé de répondre à chaque fois, là. Attends. D'accord. Bah, attendez, je vais l'emmener à l'infirmerie. Viens, maman. Non. Mais pourquoi tu donnes à l'infirmerie? Monsieur, il a eu des chocs, vous vous rendez compte? Il a été dans le couloir pendant 2 semaines. Mais Bimbo Move, mais toi, t'as faim, toi. Oh, Bimbo Move, toi, t'as faim, toi. C'est moi qui a faim alors que c'est vous qui voulez plus à jouer toute l'année, vous parlez avec moi. Mais t'as faim toi, voilà, c'est quoi cette tenue là? Va te changer là. Ouais, oh, écoute. Faut d'abord moi. Paul de Carotte, je sais pas nager gros. Oh putain, je sais pas nager. J'arrive. Au secours, allez. Zizi copter. Attends, je l'active. Oh, ça marche. Vas-y, remonte. Ah ça tu l'as pas oublié ça. Ah merci mon petit. Viens Zizi. Ils sont au cafétéria, viens on va manger un petit peu. Viens. Carotte. Ouais. Ça va en ce moment? Ah je suis un peu perdu. Y'a Momo qui est là, qui se souvient plus de rien. Moi je me souviens même plus ce qui s'est passé là-bas. Je méfie un peu, voilà, j'avoue que je méfie un peu de tout le monde. Ah et ouais voilà. C'est Lexi qui a fait tout ça là. Ce qu'a fait à Momo et tout. Mais t'es sûr? Attendez, elle arrive, hein. Elle arrive. C'est bon, vous avez été invité? Ah bah ouais, avec quelqu'un. Tu vas voir, moi je vais t'inviter, ma main dans ta gueule. Allez, dépêchez-vous au coup, bordel. Ah, excusez-moi, monsieur Picao. Ah, d'accord. Tout ça là, ça me fait flipper maintenant là. Mais faut, si par c'est contre, elle qui a tout organisé. Pourquoi elle vient vers moi comme ça, gros? Ça me fait flipper. Oh là, je sais pas comment réagir. Mais voilà, t'as c'est vu, pour ça. T'as vu Momo, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit, ah, ça va, tu sais que je t'aime bien. Hein. Ouais, genre. Et fais gaffe de pas être seul avec elle, hein. C'est chelou ça. Genre, okay. Là, ça me fait un peu flipper. Mais là, il avait un gun, Ouais, elle avait un gun, exactement. Écoute, je veux pas m'avancer. Tu sais, moi, j'ai. Écoute-moi, Carotte, j'ai tout pris sur moi, ok? Moi, je voulais rien dire, je voulais pas foutre la merde parce qu'on est quand même des amis tous. Tout le monde et tout, mais vraiment, faut vraiment que tu fasses attention à elle, réellement. Et garde ça pour toi parce que si elle sait le moindre truc, j'ai peur qu'il nous arrive quelque chose, quoi. Pourquoi elle me veut du mal en fait? Pourquoi elle veut Je sais pas, elle est peut-être tarée. Elle est peut-être tarée, j'en sais rien.
bizarre. Moi, elle me fait trop peur. Genre, je l'évite un petit peu et des fois, elle m'agresse et tout sans raison comme ça. Mais fais attention, quoi. Les gars, ouais, pas de soucis. On en parle de ça. Vas-y, faut qu'on aille en bien sûr. Là, on va se faire encore. Ouais, tout à l'heure, ouais, mais on va encore. On fait ouais. Comme si rien n'était, sinon il va. Bien sûr. Doucement. Faut y aller doucement. Oui, pas de soucis. Donc maintenant, je vais vous donner un coup important pour la vie là. Eh, vous allez pas sortir votre serpent, monsieur, hein. Vous allez pas sortir votre reptile. Ah ouais, c'est un coup sérieux là, les petits. C'est pour vous là, les garçons comme les filles là. C'est pour vous en sortir dans la vie après. Je vais noter au tableau là, c'est cours éducation sexuelle. Voilà mes petits. Vous avez entendu tous, éducation sexuelle. D'accord. Alors je suis sûr qu'il y a plein de questions là dans vos petites têtes de wakaï là. Il y a plein de questions dans vos têtes là. Alors dis-moi. On va commencer les questions. Qu'est-ce que tu veux toi, dis-moi. Une question. Je voudrais savoir comment on met des capotes. Oula, ouais, toi tu vois directement dans toi, avec ta voix, à mon avis, quoi. Tu les manges les capotes, tu les mets pas sur ton sgeg. Hein. Oh putain, il est bon. Ça y est, Momo, il est de retour, je vois. Eh ben, dis donc. Ah ouais, Momo, tu vas faire des lignes. Ouais, dis-moi, toi. C'est quoi la masturbation? Ah, alors ça va, là, on va répondre. Moi, je peux faire une petite démo, là, si vous voulez. Ah, ça, moi, je connais. Moi, je peux faire une petite démo, si ça vous intéresse. Calmez-vous, les petits. Calmez-vous, les petits. Voilà. Les cigognes, elles ont un petit stock de Gwen, là. Elles disent, vas-y, achète les Gwen. C'est pour moi, c'est cadeau. Wow, Momo, là, calme-toi, là. Désolé. Chez Jardiland, on peut choisir d'acheter. Ouais, c'est ça. Après, papa, il arrive vers maman, et après, il fait ça, papa. Oh, calme-toi, Momo. Voilà, c'est la compo, Momo. On va faire la démonstration au tableau, là. Sérieux? C'est dégueulasse, bordel. C'est vraiment dégueulasse. Allez, filez en équation, la bande de rocailles. Ouais. Je vais plus vous voir, là. Allez, filez vite, là. Non. Venez dans le buisson ici. Venez. On arrive, Malnagaran, on arrive. Arrête, s'il te plaît. Je te jure, je sais pas pourquoi j'ai cette voix. Attends, c'est moi qui ai le briquet. Attends, je te balance le briquet. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Eh, Momo, arrête, c'est 60 ans. Ouais, c'est bon, si on peut. Alors, fais-moi le malade et toi, mes chaussures. T'inquiète, poil de carotte, il est juste jaloux de ce que tu as. C'est quand j'avais 0 poils et là j'ai 3 poils et voilà, c'est bon, c'est plus pareil maintenant. Bah au pire, vas-y, sors là, comme ça, je la montre à tout le monde et y'a plus de problème. Ok, regarde. Non, et moi je veux pas qu'il la montre. Anna, tu te caches. Non, tu te caches, ce poil de carotte là. Ah, Lucie, vaut mieux que tu te retournes, regarde, hein, ça risque de faire peur. Non, mais regarde. Arrête, poil de carotte. Mais regarde, y'a 3. Tu arrêtes, poil de carotte là maintenant. Non. Attends, mais tu veux que pourquoi il y a deux voir... pourquoi il y a deux là? Qui veut voir mes seins? Qui veut voir mes seins? Ouais, vas-y. Moi. Vas-y. Ah ben non, mais poil de carotte, il s'en fout, lui peut montrer son sein, moi je le montrer. Vas-y. Allez, qui veut voir mes seins? Ouais. Allez, venez les gars, je vais vous montrer. On est là, vas-y. Tu arrêtes alors poil de carotte, hein. Mais non, mais c'est bon, vas-y, il a montré tout le monde comme ça, tout le monde est content, tout le monde il est gentil. Non, il a rien montré. Ah ouais. Eh, t'es une petite coquine, toi, hein. Dis donc, sous ta petite jupette, hein. Non, je suis une coquine que pour poil de carotte. Tiens. Oui, c'est fragile, poil de carotte, regarde. Et ça se fait pas. Bah toi aussi, hein. Pourquoi tu dis ça? Eh, c'est ma meilleure amie, un poil de carotte. Si tu m'aimes, tu dois l'accepter, hein. Non, mais je l'accepte, c'est juste que voilà, elle dit ça. Eh, moi, j'accepte bien tes deux potes, là, hein. Bon, toi, tu vas te la fermer parce que c'est toi, c'est nous, on t'a accueilli, donc tu vas te calmer, hein, je te le dis direct. Tu ne prends pas la confiance non plus. Hein. Non, mais attends, t'as vu comment il parle de Lexi? Mon petit, tu t'en souviens pas, mais bon. Lui, enfin, je sais pas ce qui s'est passé à la grande. Enfin, de ce qu'on m'a raconté. Je suis sûr que Lexi dit quelque chose. Voilà quoi. Ben, tu sais quoi, Momo? Lexi, elle était amoureuse de toi. À un point, tu te rends même pas compte. Ouais, bah, c'est vraiment pas. Dommage. On m'a dit des trucs sur elle, voilà quoi. Maintenant, je sais pas trop quoi en penser, hein. Parce que bon, je m'en souviens. On t'a dit quoi? Ah, je dirais pas, je suis pas une poucave. Je
J'allais pécho, j'allais niquer ce soir. Vas-y, c'est bon, arrête de faire ta. J'allais niquer ce soir. Arrête de faire ton Calimero là. Vas-y, avec ton petit gag. Avec ton petit gag. Je vais paniquer, du coup, maintenant je panique. Avec ton petit gag là, de toute façon, tu pourrais même pas rentrer dans elle, mon frère. Ça sert à rien, t'inquiète. Y'a pas de soucis. Faut qu'il soit plus grand, tu comprends. Tu vois, il est trop petit. C'est pas niqué, mais moi je l'aimais. Tu la récupéreras jamais, hein, désolé. Oh. Mais dites pas ça, s'il vous plaît. Vas-y, poil de carotte, t'inquiète. Nous, t'inquiète, on est ensemble. On s'en bat les couilles des meufs, c'est bon, voilà. Attendez, je vais aller la voir. Oh, je m'en fous des meufs maintenant, c'est pas grave. Moi, je peux te le faire, ce que tu veux qu'elle te fasse, si tu veux. Hein. Non. Tu vas me donner ta fleur, c'est vrai? Ouais, mais moi c'est une fleur avec une longue tige. Heureusement que t'es là, t'es revenu pour me faire rien. Oui, non mais t'inquiète gros, ça va aller, tranquille. Un boutonneux là, arrête-toi. Tranquille. Vas-y, tranquille. Allez, relève-toi mon frère. Allez, relève-toi mon frère. Ça a l'air d'aller mieux, Momo. Je crois que je suis dans la même situation que Boutonneux, monsieur. Bordel, exactement, il a repris du service, c'est toi, Kai. Putain de merde. Ouais, arrête. Tu me craches dessus. Sérieux, tu me craches dessus. Eh, tu vas te calmer, mon frère. Bordel, c'est merde. Arrêtez la bagarre. Allez. Il est encore fragile, monsieur, c'est pas un fuck. Arrêtez la bagarre, bordel. Monsieur, plus qu'à où. Vous pouvez chuchoter un petit peu, s'il vous plaît. Pourquoi? Ouais, dis-moi. Non, parce que... vous savez, on vous entend... alors dans nos oreilles. Mais alors? Pas grave, y'a pas... Alors, pas grave. T'as un problème? Tu veux te battre? C'est ça? Momo, arrête. Tu veux que je te rentre dedans, c'est ça? Mais non, arrête. Ah, vas-y, ne dis pas qu'est-ce qu'on doit faire, ok? Je te le dis direct, mon pote. Pourquoi t'es rouge sur le fond? Il a fait une patate. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ah, vas-y, casse-toi, ouais. C'est mieux pour toi. Mais je rigole. Ah, me crache pas dessus. Vas-y, t'approches même pas, toi. Je vais te saigner, toi. C'est bon, tu m'as énervé, gros. Tu te fous de ma gueule. Attends, je vais te faire la même chose, tu vas voir. Aïe. Voilà. Oh putain, j'ai les jambes écartées là, c'est rien. On en reste au sol. Mange un peu l'herbe, ça va te faire du bien. Espèce de vache, va. Et ouais, vas-y. Vas-y, poil de carotte, vas-y. Rentre chez Watt là, rentre chez Watt. Poil de carotte, faut s'habiller classe ou. Qui, moi? Moi, j'ai pas resté comme ça. Tu peux rester comme ça parce qu'il y a une piscine aussi là-bas, tu vois. Mais. Ah ouais, cool. Ouais, poil de carotte, regarde. On voit mon ventre là. Les filles, quand vous me voir, vont faire ouh là là. Ah, fais ce que vous voulez, je suis pas styliste moi. Mais les filles, ouais, bah ça se voit, hein, ça se voit que t'es pas styliste, hein, je veux pas te dire, mais. Ah, mais toi, oulala, oh, regarde, moi je suis stylé, moi putain. Ah, vous savez pas le style, moi j'ai du goût, moi. Magnifique. Pourquoi t'as mis des gants? T'as cru que t'étais un chauffeur de taxi, mon frère? T'as ouf? Ouais, j'ai trouvé ça stylé. Non, mais il fait froid, tu vois. Ah, mais c'est bon, maman, il est là. Allez, on se casse, les gars. Il faut aller là-bas. Là-bas, on peut sauter, je prends la voiture, on monte dessus. Moi je suis nul en escalade. Ouais, il y a Lucie. Oh, Lucie, dis-moi, t'as. Ah, je peux monter avec toi, j'arrive pas à courir avec mes talons, Momo. Ouais, vas-y, t'inquiète. Bon, par contre, fais gaffe, hein, tu risques de tomber, hein. Accroche-toi bien. Je m'accroche à toi. Ouais. Frère, ça va secouer. Vas-y, à fond. Oh là, attention. Oh, attention. T'es sûr que tu te sens capable de conduire avec ce que t'as eu? T'inquiète, ça, je l'ai dans le sang, ça. Tu sais que la première fois on est sortis tous les deux, t'avais volé un scooter et on avait fait les cons avec dans la rue. Ah ouais? Oh, ça m'étonne pas, ça. Ouais. De toute façon, dès que je vois une moto, je suis obligé de la voler. Ah, je crois que c'est ici la soirée, en fait. Wouah, c'est tueur ici, mon frère. J'ai l'impression d'être dans la villa des... de Playboy. Elle est trop stylée, la villa. L'eau, elle est pas trop profonde, hein. Laisse pas qu'on le jet ski. Vas-y, attends. Oh putain, c'est trop beau.
C'est vrai, c'est vraiment magnifique. Eh, Mexicanos, c'est regarde, magnifique. C'est quoi ça là-bas? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Regarde là-bas, là, regarde. Tu vois pas? Ouais, vas-y, rapproche-toi. Non, il n'y a pas, non. Oh putain, il y a une jacuzzi. Non, ah ouais. Ah Boutonnet, t'es là mon frère. Allez, tous avec moi. Pour moi une petite photo là. Allez, dans l'eau. Ah merde, j'ai dans l'eau. Ah si, allez. Wow, wow. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Oh merde. Il y a le directeur. Oui, je vous ai chopé, votre petite. Attends, qui vous les gars. Oui, je me tire. Cache-toi, gros, il y a le directeur. Oui, monsieur. Il y a le directeur, il est arrivé, wesh. Sérieux? Ouais, on est dans la merde. Ouais, on était en train de danser et tout, il arrive là comme ça. Et... je pense qu'il nous a pas vu, c'est bon. Moi je te vois pas tous les deux, bande de furieux là. Moi, oh merde, cassez-vous! Faut ça fait dans la nuit! C'est pas nous, monsieur! Monsieur, c'est la faute de Boutonneux, c'est Boutonneux qui a tout organisé, c'est la faute de Boutonneux, c'est Boutonneux qui a tout organisé, c'est Boutonneux, c'est Boutonneux, c'est Boutonneux, c'est Boutonneux! C'est vous, qu'est-ce que vous c'est lui là, tout le c'est Boutonneux, c'est Boutonneux! Comment ça là? Amenez-moi Boutonneux là! C'est lui, il nous a forcé à venir et tout, il nous a braqué avec une arme. Mon Dieu, regardez l'alcool là partout, mon Dieu Jésus, Marie Joseph, l'alcool dans la monsieur, prenez une petite bouteille, allez, restez avec nous, c'est bon, monsieur, allez, s'il vous plaît, faites pas le bâtard, monsieur. C'est bon, restez avec nous, monsieur. Oui, monsieur Picao, il va rester. Oh, attendez, je vais voir qui c'est qui a comme élève là. Allez, oh sortez là tous comme de retail là. Tu vas pas te noyer, modèle. Oui, ça te rappelle pas des souvenirs, ça? Oh, oh j'ai envie de vomir. Oh non, enlève-toi. Ah, tu ça m'as. Ça va pas, maman, ça va? Ah, tu m'as fait sortir tout ce que j'avais en moi, je crois là. Ah, tu vas pas de ma mort, toi. Hein. Oh là là. C'est exactement ce que tu m'as dit la première fois que je te l'ai fait. Ah oui? Ouais. Ah, vous faites pas les trucs cochons dans vous quand même là. Mais pourquoi tu m'as plagué comme ça? Je t'ai fait quoi en fait? C'est quoi? Pourquoi tu. J'ai rien fait. Ah! Désolé. Oh la vache. Vas-y, prends ma main, j'ai. Oh merde. Voilà. Merci. Oh là là, je crois elle va pas bien là. Wesh. Oh putain, meuf. T'as pas vu ça fumer, genre. Ce qu'il vient de faire devant moi, Jade. Et s'il a fait. Oh, que j'ai fait. Wesh! Calme-toi! Wesh, t'es sérieux? Calme-toi! Eh, mais t'es une folle, toi, voilà! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais Lexi, là, c'est quoi son problème? Vas-y, je suis prêt. Wesh, qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce qu'il y a, toi, encore là, avec ta tête? Qu'est-ce que t'as avec ta tête là? T'as encore des problèmes de go, c'est ça? T'as tes règles? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es enceinte? J'ai pas de problème, c'est bon, Momo, arrête! Vas-y, qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, allez, déballe là. Poil de carotte, il me parle plus. Et poil de carotte, il te parle plus parce que tu t'es embrouillé avec lui, voilà pourquoi. À cause de ce petit con de Nicolas là, boutonneux. Qui a été raconté des conneries comme d'habitude. Eh ben, il fallait pas le croire parce que tu sais que boutonneux il raconte toujours des conneries. Mais bon, voilà, maintenant t'as fait de la merde. Sinon, tu vas aller t'excuser et il te reparlera peut-être. Voilà, s'il n'y a pas de solution, c'est tout, c'est comme ça. Ah, pourquoi tu vois comme ça, Momo, là, t'es en train d'essayer de te foutre de ma gueule, là? Non, pas du tout. Non, je suis très sérieux, regarde. Ouais, regarde, je suis droit dans mes claquettes. J'espère, tu m'as pris pour une cagole. Non, mais vas-y. J'allais lui donner ma fleur et tout, il en veut même pas. Bah, tu peux me la donner si tu veux, moi je la prends, j'aime bien les fleurs. Non, je m'en fous, je donnerai ma fleur à personne.
Eh bah garde là, mets-la dans ton cul alors. Elle la mettrait dans mon cul alors. Ah ouais, t'es so net. Arrête, t'es so net. Ah ouais, t'es so net. Arrête, t'es so net. C'est quoi ce DJ là? Salut à tous, moi je m'appelle Jade. Ah ouais, je suis célibataire, je donnerai plus jamais ma fleur. Hein? Bah alors, tu me fais des petits saluts là? Ah ouais! Allez ouais! On est sans grands yeux. On est sans grands yeux. Ouais, ça démoi de la bonne musique, la bonne musique. Oh putain. Non. Oh Fana, oh Fana, elle tient pas debout, Fana. Aide-moi à la prendre. Ah. Pauvre con. T'es con ou quoi? Non mais il se prend trop pour je sais pas quoi là et calme Momo. Dégage là avant que je me relève. Poil de carotte, il m'a quitté, toi tu te fous de ma gueule, pauvre con. Poil de carotte. Poil de carotte. Faire pardonner mon. Oui, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi un petit. Donne-moi un peu de vodka là. On veut prendre des shooters avec Lexi. Tu peux? Tiens, ouais. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Tiens, voilà. Tu verres de vodka. Non! Ah! C'est que! Ah, une dame bassa, toi. Allez, Momo. Oh, oh, il est en faisant gosse. Allez, c'est quand que tu te coupes les cheveux, là. Tiens. Toi, ah, merci à Momo, t'es le meilleur. Non, Momo. Arrête, Momo. Comme ça, tu pourras planter une carotte et comme ça, tu passeras un poil de carotte. Jade, attends, reviens, reviens. Donne-moi de la vo... Je rigolais, Tu sais que je t'aime bien, vas-y, non, c'est bon, je te taquiner. Vas-y, viens. Viens, je te donne, tranquille. Je pensais que t'étais un frère. Tranquille, c'est bon. Moi aussi, je veux de la vodka, s'il vous plaît. Poil de carotte, ça va? Bon, ne quittez pas le petit juge, t'es un œuf quand même. Aïe, pourquoi? Ouais, le poil de carotte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, poil de carotte? Je me souviens plus ce qui s'est passé. Mais je saigne. Et Lucie, elle est où, Lucie? Ah oh ben regardez, Lucie. Attendez, attendez. Oh mon dieu, c'est... On va voir. Vous savez ce qui s'est passé? Oh mon dieu. Ouais, t'as pas... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le mec avec la coupe en gris. Il a fait des trucs de malade avec sa machette. Il a tué, il a tué Lucie. Puis après il a tué un autre mec, je l'ai vu de mes propres yeux, oui. Allez voir, allez voir. Où ça? C'est des malades. Où ça? Là-bas au fond, Non, voilà, je suis tombé dans les pommes. Si, j'ai vu le corps de Lucie par terre. Là-bas au fond, regardez. Je vous jure, il cache le corps quelque part. C'est qui le cheveu gris là? Oh, il est là, voilà, qu'est-ce qu'il fait lui? C'est lui là. Vas-y, attrapez-le. C'est lui, attrapez-le. Eh hey, fils de pute, reviens là. Oh l'enculé. Voyez-le. C'est bon, vous l'avez eu? Ouais, je l'ai bien eu. Enculé, pourquoi tu m'as coupé le bras, frère? Tu m'as obstacle. Eh, le moine là, gros bâtard, vas-y, relève-toi, assume tes actes là, tu vas prendre cher. Faut qu'on trouve ce fils de pute qui a tué Lucie. Voilà, faut qu'on le trouve. Et nous, on va lui faire du sale. On va le prendre par... Tu vois, comme si on prenait Zoé, tu vois. Ce sera pareil, mais sauf qu'on va lui faire du sale dans l'autre sens, tu vois. Genre, ce sera encore pire. On va le défoncer de tous les côtés, mon frère. Je veux pas dire, tu vois, il faut qu'on ait des armes et tout, mais c'est le seul moyen de se défendre à l'heure actuelle. Les mecs, ils ont des machettes ouais, et raison, tout. T'as raison. Bon, faut qu'on trouve des guns, mon frère. Faut qu'on trouve des guns. Voilà, on prend des guns, on les plombe. Ils vont faire quoi? Il va faire quoi, le mec, avec sa machette? Il sort sa machette. Nous, on sort un gros Desert Eagle dans sa gueule. Il va faire quoi? Dis-moi. Il va rien faire. Voilà. Faut qu'on trouve des armes. Mec, on va faire ça. Et maintenant j'ai pu t'appeler poil de carotte, hein. Eh, tu sais, je vais t'appeler poil de sgeg, hein. T'as évolué, hein, c'est fini, hein. Maintenant t'as des poils de sgeg, c'est poil de sgeg. Hein. Ah ouais. Eh ouais, mon ouais, frère. Ouais, t'inquiète. Vas-y, écoute, bonne nuit, gros. J'ai pas envie de te repérer, donc fais attention à toi. Ouais, t'inquiète. Vas-y.